Toi, arrête de rire. Bon, en fait, le chant, c'était une histoire de famille, hein, puisque mon oncle et mon père jouaient de la guitare et chantaient des chansons en style napolitaine, corse, de l'époque. Donc, on a toujours entendu chanter dans la famille, jouer de la guitare. Et ensuite, à l'âge de 14-15 ans, j'ai commencé à apprendre la padille, donc la polyphonie, que j'ai ensuite enseigné à mes frères Tony, François et Thierry. Thierry était petit, il devait avoir 7-8 ans. Et on a commencé à chanter padille, la messe, à la maison, à la salle de bain, parce que ça résonnait bien. À partir de là, on a fondé le groupe Tiens Magyarès en septembre 1977. Et ensuite, bon, on est toujours là, 30 ans après. Les Tiam, c'est un grand mystère, les Tiam, pour les balances. Les Tiam, c'est... L'essentiel avec les Tiam, c'est quand ils arrivent, ils savent ce qu'ils vont faire. Mais nous, on est toujours inquiets parce qu'on ne sait jamais exactement à combien ils vont être, ce qui va se passer. Et on a beaucoup de travail avec eux parce que c'est un peu un groupe sauvage à l'état brut, quoi. C'est lui qui gère tout. C'est lui qui a tout sur les épaules. Il est malheureux parce qu'il aimerait bien que ça se configure un peu mieux, mais c'est instable. Hein ? Non, c'est pas instable, les choses vont avec le rythme normal. Tony Pedrosanto, Mano Di Bongo, Philippe Rocchi et Jean-Marc Bertrand. Et Marcel Sidessan. Bon, il en faut deux là. Oui, je peux mettre là, hein, François Xavier. Deux là en plus. Combien vous êtes ce soir? On met où ces racks là? Comme d'habitude. On met où les racks? 14, 13, 14. Sono l'organizzatore. Noi non comandiamo mica. Noi siamo a disposizione l'organizzatore. Dice che non comincia da mezzanotte, cominciamo a mezzanotte. Comincia da un'ora e siamo un coglionti. Ma c'è partito, sono 4 anni che non sono più giunti qui a cantare e quest'anno abbiamo deciso con i miei amici qui di Tocchi che si occupano di circa a far bene ai chiamagliaresi. Cenia! Allora! J'ai pas, après il y a tout qui change. Il n'y a rien qui va changer. Tu es musicienne ou tu es quoi? Je suis. Tu t'écris à ta tonalité. Ben mettons, un jour c'est ensemble, d'accord. On va travailler ensemble. Oui. Vous arrivez un jour comme ça sur scène et dites bon, finalement c'est en sol dièse. Eh ben c'est la merde. Eh ben non, tu augmentes en demi-ton, c'est pareil. Mais oui, mais... Non, mais attends. Toi tu mets ton capot, tu le montes d'une case. Cac. Mmh. Tous les doigtés, c'est pareil.
Et non, je peux pas le faire. On peut et pas non, le faire, nous. Au bout de 4 ans de Tian, après... Après, oui, mais bon... Et on sait pas ce qu'on joue, en fait. On joue à l'oreille. Bon, moi, j'ai mis un petit peu de bémol à tout ce geste, s'il vous plaît. Pour 4 ans, Anne-Lise. Quatrième année, ça y est. Faut parler de dièse, je vais mettre des bémols. Mais tu as même commencé un jour, de toute façon. Ah oui, mais à la première année, on était comme ça. Voilà, tu as eu une première année, un départ. Ah oui. C'est pareil. Épuisant. Cette année, c'est bon, encore, c'est pas encore fini. Hein? Il me reste 7. Et 2 en septembre, ça fait 9. Enfin, sur le mois d'août, il reste 7. Je sais pas si je vais arriver au bout. Ah, ce soir, ça commence déjà. Hein? Non, pas physiquement, on va voir comment ça va fatiguer. On verra bien. Tu as enchaîné 12. 12 jours. Oui, on peut faire les deux. Hein. Tiens-moi d'y aller, c'est bon, c'est un peu quand même en... C'est un peu en stand-by. J'ai une expérience, après on verra. C'est pas, de toute façon, je ne compte pas vivre de ça. Hein. Je suis menuisier avant tout. Ça, c'est un bon. C'est ça qui est bien, c'est comment tu branches. On parle de ça quand même pas ce temps. Allez. Bon, qui je t'asère, j'en m'agoudra, hein, à Zento. Oh Marina, dove mi sul mare, patron di donna, sotto alla donna, penso alla ionna, sogna la donna, pensa l'amore, obeisca la. Et alors, ils arrivent, les autres. Comme d'habitude, ils sont en l'air. Ils sont toujours à l'heure d'hiver. Mais c'est vrai que la question est récurrente, à quelle heure vous commencez, combien vous êtes, etc. Parce que les gens ne savent pas, tu vois. Ils n'arrivent pas à nous... véritablement nous cibler sur le groupe qui vous êtes, qui n'y a pas, ce soir qui y a. On ne sait même pas trop dans la journée qu'il va y avoir. Ça n'a pas d'importance pour nous, de toute façon. Et c'est pour ça que depuis 30 ans, le fait de tenir ensemble, c'est un peu de refus de développement, un peu de plaisir d'être, surtout de plaisir d'être ensemble,
de pas avoir de contraintes particulières, d'avoir toujours le plaisir de se retrouver quand on se retrouve, tu vois, de monter sur scène ensemble. Quand on chante sur scène, chaque fois, il y a quelque chose qui passe entre nous. Il n'y a pas que nous non plus, je veux dire, hein, il y a d'autres groupes aussi. Mais le fait qu'on soit tout le temps les mêmes depuis pratiquement 30 ans à se côtoyer, forcément, ça crée des liens. Hein. Ça, t'as vu ma mère, hein, elle m'a parlé, elle te fait 2h30 de bande. Ça, c'est hein? Bien. Et c'est pas mal. Hein? La maman. Mais elle veut pas. Elle veut pas, mais. En plus, elle n'a pas fait sa mise en pied et tout. Interroge des femmes du groupe. Pour voir ce qu'elles en pensent des certains manques de leur mari. Bon, si quand c'est dur la vie de couple. Des semaines entières. Non, les gens qui mettent pas valeur. Les gars, vous ne le sais pas. Les ex. 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 Pourquoi se sont cassés? C'est imbécile, hein. Avec ses amis, qui ne reviennent plus. Après chaque concert, on est tellement content de se retrouver tous, entre nous, de voir un coup, commenter la soirée et tout, que. Vrai que. Parce que. Voilà. Le reste passe à côté. Hein. Parce qu'on est sur scène, la première chanson sort comme il faut. Normalement, en général, derrière, ça suit. Si on loupe la première, ou s'il y a des petits flottements, là par contre, commence à se regarder un peu. Un peu mal. En plus, tout repose sur la voix lead à chaque fois. Hein. Le chanteur qui porte le chant, quoi, qui est à Zégon, on va dire. Hein. Tout repose sur lui. Si lui il se plante d'entrée. Automatiquement, toutes les voix derrière, c'est fini. C'est la grosse catastrophe, c'est la débandade. Donc, toute la responsabilité repose sur les musiciens, surtout, une grande partie de responsabilité, et la voix lead. Et les balances. Ah, parlons-en. Les balances, oui, mettons, les faits. Mais bon, c'est pas notre spécialité. Oui. Vous savez qu'on a été découragé aussi des balances, hein, parce que on dit, faites pas des balances, c'est vrai, mais les fois, plusieurs fois, hein, on a fait des balances qui ont duré 2-3 heures, ça n'a rien changé, hein, parce qu'on est arrivé sur scène, paf, rien n'a marché quand même, donc on a été un peu découragé au niveau des balances. Chaque fois qu'on faisait une balance d'une heure, ça marchait pas, on faisait pas de balance, ça marchait, donc on se demande des fois. Il faut qu'on le fasse ensemble, à la limite. Non, peut-être que je pense qu'il faut que tu c'est toi, hein, je veux dire. Non, moi, Parce que j'ai choisi cette chanson. Tu as choisi. Eh oui, parce que en fait, c'est la seule chanson où j'ai fait la musique et j'ai calé les paroles. Enfin non, j'ai commencé à faire un couplet, après j'ai fait la musique, après j'ai rajouté les couplets. Le reste. La musique, elle est réussie. La musique, elle est réussie. Je ne peux pas me mettre à ta place. Oui, mais il faut que tu le mettes à ma place. Non, tu ne peux pas te mettre à ta place. Hein. Pour m'aider un peu, parce que j'ai travaillé un peu la semaine dernière, j'ai travaillé un peu hier, j'ai arrangé le second couplet, mais... Je dis à François David, il y a mieux à faire, tu vois. Eh oui, il y a toujours. Faut trouver, tous trois. Tu sais, comme je disais, quand j'ai dit François David, qui mettait « Un sourire comme un chemin », tu sais, des chansons fraîches. Il nous faut du frais. Et du frais, on n'en a pas. Et si on ne trouve pas de frais, si on trouve encore qu'on est vrai, c'est mon goûté. Vous avez tout droit à la fin. Ça vous met fou. Oui, ça va. On va répéter le troisième alors.
Le quatrième, il n'a pas encore fait. Moi, le 15, on a. In que l'orgo a storia li fu, scritta in nos ame tornadino, per la rimeggia ciò chi fu e sera, ci tocca cantar, ci tocca cantar. Per la vita ciò chi fu e sera, per la vita ciò chi fu e sera. Un generale umano qui, il Bastiglia per tombare ferì, su non che scemo vi buliava, l'umano popolo di Pasqua. Ils font ça eux, hein. La 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 la, ils se retirent. Non, pas trop. Hein. Pas trop, oui. Ils font... C'est pas trop sec, hein. Si tu fais sec, c'est pas bon. C'est juste. La 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 la. On fait ça, c'était Mosè comme il casait. Ah ouais, ouais, c'est bien normal, c'est qu'il normal. Ah oui, c'est facile. C'est facile. Allez, balance la suite. C'est lui, c'est. Ouais. Un générale vous manda lui. Regardez, là, là, ça flotte tout le temps. Mais ça fait rien. Dites que la première phrase. Là, jusqu'à cul. Répète de phrase par phrase. Jusqu'à, non, jusqu'à, quoi par phrase. Abrime. Attends, donne-nous un rythme d'abord. Allez. C'est ça qu'il faut. Je sens très content. Vous en avez. Enfin, il y a une cause de l'éloignement. Oui, Un général, pas trop les accords et ça. On peut faire des A un peu plus en haut, tu vois. On peut faire en haut. Un général, dans le haut. La première fois, je te suis. Et puis. 1, 2, 3. 4. Un generale vous manda lui, in Bastiglia per tombare ferì, su monte scemo chi buliava, tomba lo popolo di Pasqua. Là j'entends, et puis sento una sola voce, c'est magnifique la foi. Oh, au più importante. Le rite. Vai, sussurrando un cibo, no? Vai, un sussurro di... Oh. Non, non, pas un sussurro. Non, mica un sourire. Pas trop puissant, mais pas... Je sussurre, il y en a pas. Je sussurre. Non, mica trop pour vous, t'as pris. Ma je sussurre. Non, mica trop sourire. A mezzo oggi, mica le stesse parole. A mezzo oggi, come lo giuro, eh. Un'altra di marca. Ma vi rimando di stessi. A mezzo oggi, no, a mezzo oggi, mica sussurro. Sussurro, sì. Je sais un peu tambris. Attends, deux secondes. On la remarque, Adolphe. Une fois des mica, elle passe à uno, tout le monde a fait sa boudance. Mica, est parti. Un generale vous manda lui, in Bastiglia per tombare ferì, su monte scemo. Domalo popolo di Pasqua, ma si vede, a chi che tiene, a chi che tiene, la terra di San Piero, di San Bogu, di San Bogu, ma sono sincero, tutto conta lo straniero, e credo io, quando tu sei giorno, vicino di te, di monta.
faccia di diviso la vita. In quel luogo la storia vi fu scritta in un sangue d'ornaino, per lamentar ciò che fu e sarà. Ci tocca canta, ci tocca canta, ma si vede, ma si vede, a di che fiere, a di che fiere, sono in la ferma, di tante, non di sabugo, orso sincero, non conta lo strangero, e credo io, chaque fin de refrain. Bon, elle est plus courte et moins longue. Parce que lui, il m'a touché un pied en plus. Au lieu de faire le tir à la fin. Moi je pense qu'au début, la toute première intro, il faut que le violon. Ah voilà. Wow. Ah. Moi je trouve que la guitare, c'est. Tout ça, j'ai bien. Oui, mais moi je ferais très bien. Gérard. Moi je crois que c'est bien. Après, donc, l'intro d'avant, il rentre avec sa guitare. Troisième partie, des fois, elle est, tu vois. Ok. Au lieu qu'il rentre avec ta guitare. Ah, toutes les deux, oui, ça. Je reprends le... Non, non, moi, je trouve que tu devrais faire l'autre phrase. Comme tu veux, je peux... Ta-da. Ah, il faut que je sois parce que je suis en train de me toujours plein de choses. C'est un ta Ça va. Non, le guitariste parfait n'existe pas. Moi, je suis un truc à 30%. Ça arrive, la fatigue. Ça arrive pas. Et alors toi, ça peut se... Ça arrive pas. Toi, ça t'arrive.
Allez, on recommence. Je sais. C'est pour la peine. Allez, allez, comme ça. Deux secondes. Comme ça. Coupé, deux secondes, coupé. Sur scène, non, un truc de morale, sur scène, s'il y a une petite erreur, quoi que ce soit, on peut céder une carrière. Oui, ah non, non, il faut, c'est surtout très important ça, hein. Sinon ce spectacle est allé. C'est bon, continuez. Vous savez, j'ai eu, dans ma vie, j'ai eu un accident très grave, si je peux dire ça. J'ai fait un long coma. Et si la musique n'était pas là, je ne sais pas ce que j'aurais fait. J'aurais été un légume, tout simplement. La musique m'a permis de revenir, d'être sur terre, de prendre goût à la vie. Voilà, la musique, c'est quelque chose... Dans un groupe, il ne faut pas qu'il y ait un seul compositeur. Il faut qu'il y ait plusieurs compositeurs. Et ensuite, les arrangements qui sont faits avec le groupe. Voilà. Et c'est ça qui donne l'étiquette harmonique du groupe. Il ne faut pas qu'il y ait un seul compositeur, parce que ça donne toujours un genre. Même si le compositeur fait un genre soit sud-américain, soit nord-américain, soit nord-africain, ou quoi, n'importe quel style. Et, on voit qu'il y a l'étiquette du compositeur. Bon, il faut deux, trois morceaux, quatre à la limite, dans un disque, mais après il en faut d'autres. Il faut, d'ailleurs, dans un groupe ou dans un ensemble, je dirais, dans un orchestre, parlons de groupe, là, hein, il faut toujours quelqu'un qui décide à la fin si c'est juste, pas juste, s'il faut ajouter quelque chose, en demandant toujours l'avis des autres. Mais si on pense que, par exemple, un accord est faux, il faut dire « il est faux ». Il faut prendre même sa guitare ou son clavier, voilà, ça c'est faux. Vous êtes d'accord ? Voilà. Il faut toujours, toujours, toujours être... dire toujours, c'est... parce que quelque chose qui ne va pas, il faut le... Si on le pense, il faut aller et leur dire. Et je dirais, si les tiams, un jour, venaient à disparaître... Ça me ferait quelque chose. Oh, allez, on va appeler les autres, on va faire quelque chose, hein, voilà. Assieds-toi, là, il va pas te poser de questions. Hein. Alors, ouais. Les chansons, après, les chansons souvenirs, tu sais, quand on est à Moujan, on est à Moujan, 30 ans, et
Non nous avons per corte, che si lascia te. Paul. C'est pour le jeudi. Lourdes. Oui, il ne vous vient rien en tête, en mémoire. Et toi, hein. Des idées de chansons de l'époque. Le premier disque de Tiamo Agnelletti. Bon, on ne se rappelle plus. Radio et Radio Via, de montagne, en dernière semaine. Gilles, non? Ah, c'est, t'as pas mauvais. Tu. Il s'est ouais, mais. C'est tout, ça? C'est. Un, c'est bon. Un, deux, trois, quatre. Non, trois, cinq. C'est pour venir voir un coup, au point des épisodes, c'est bien. Ouais, c'est pas moi. C'est l'idée. Mais frère. Je peux pas expliquer parce que c'est trop long. Si j'ai besoin de quelque chose, ils sont là, mes frères, même si je ne vais pas les voir pendant 6 ou 7 mois, même un an. Mais moi, d'un coup de fil, mes frères sont là. Et moi, pareil. On se comprend sans se parler. Rien qu'au regard, c'est famille, ça. D'ailleurs, bon. Le frère Pêche, bon, on a toujours été comme ça. Hein. Maï est une personne, elle est musicienne. C'est un musicien, Maï, il joue de la guitare, c'est un compositeur, c'est un chanteur. Il ressent beaucoup de choses aussi. Il écoute beaucoup de musique, il est. Il sent si la chose va aller ou pas aller. D'ailleurs, son avis est très important dans le groupe. L'avis de Maï est très important. Comme tous les autres. Enfin, les autres aussi. Mais bon, celui de Maï, un peu plus que les autres. Non, les autres aussi, ils sont. Tony, par exemple, il vous met une note dans l'harmonie qu'il faut mettre. Tiens. Mais j'ai des rois sur le groupe. Pas le groupe. Je vais te dire ce qu'il est le groupe. Il est grand sur le groupe. Alors, le 15 février, c'est les 30 ans de Tiamo Agnelletti. Moi, je ne peux pas faire de répétition. Voilà. C'est pas grave. Moi, je t'accueille ici. La présence. 30 ans, et moi, je serai. Vous verrez, moi. La vie attend. Après, on fera les 40 ans. Non, va. C'était où? Il m'appelle la Stalin, quand je t'avoue tout, c'est la manche. L'impression est rigolée, moi. Tu vois, puis. Tu veux que j'aime, John. Pourquoi tu fais en répétition? Parce que j'ai pas pu y aller. Je me suis arrêté de fumer, la vérité, c'est ça. Et là, en répétition, je vois fumer tout le monde, ça, tu pensais bien que je peux rien amener dans la répétition. Comment tu veux que j'amène? Il me manque la nicotine. Et je ne peux pas imaginer t'arrêter de fumer, ça fait 23 jours. Donc je ne sers à rien. Voilà. Parce que tu sais comment ça se passe, la répétition de Tiamo Agnelletti. Hasard, non? Chacun apporte quelque chose, je ne sais pas. Il y a un thème, une musique, un truc, et tout le monde ouvre sa gueule et dit, moi je crois que c'est. Parce que attention, tout le monde participe, tu m'as vu. Voilà. Et après les harmonisations et tout ça. Là, si tu n'as pas l'état, si tu n'as pas. Tu t'es pas bien dans ta. Bien. Où tu veux trouver? J'ai quand même. J'ai trouvé des trucs, des thèmes. Hein. Quelques chansons, pas mal. Hein. Après c'est des merderons, non? Si je peux dire quelque chose, Tony est très important en répétition. Non. Oui. Ah non. Je te le dis, je suis pas parce que tu es. Bon. Si tu es. Non, si tu es là, c'est mieux. Parce qu'il n'y est pas, ça manque.
Enfin, j'ai trouvé quand même une chanson, les enfants. Ah, c'est rien, arrête un peu de te... Hein? Non, c'est très important. Une chanson. Avade, quand elle est faite, rien ou on parle. Tu me dis s'il n'y a pas Patrick Vecchietti, hein? Bon, ça va. Marie, à mon avis, il faisait ça. Hein? Il faisait plus de... Tu te rappelles quand tu faisais ça? Il avait trouvé un système, Marie. Il répétait pas. Quand c'était au point, il arrivait à répéter. Il a pris la chanson. Oui. Nous, il y aurait taillé la chanson. Nous, bon, bon. Nous, vous imaginez, avant, on se canine, vous aussi. Il y a chacun un mi-tour et un para, il y a des valistes, soit deux ou trois jours avant la soirée. Oui. C'est que Orman, pendant à la chasse, il écoute. 10 répétitions. Hein? On a déjà fait 10 répétitions. On a avancé. On était 4 ou 5, on a fait une chanson, on a harmonisé. Et ceux qui viennent, ils apprennent le voix, c'est bon. Voilà. Et rien n'a changé. Hein? Comme on a déjà fait, est-ce que non, il y a eu des paroles. Même ça m'étonne, hein? Quoi? En 10 répétitions, elle n'a pas changé la chanson, elle n'a pas évolué. Oui, elle a évolué. Ah, non, mais après, il y a des choses. Après, ceux qui ne sont pas venus au début, sont venus. Les voix étaient déjà prêtes, ils ont appris les voix. Voilà. C'est pour ça que tu ne m'as pas eu en répétition. Et la prochaine, tu m'auras. Voilà. Bon, il te reste 2 répétitions. Non. 3 restes. 3 il reste. Et 3, je te fais 3. Bon, 3 c'est donc que tu peux en rater encore 4 une. 4 ou 5 il en reste. Si tu en rates encore une, c'est bon. Mais pas 2. Si vous voulez, tu dois vous faire au mes. Au mes, c'est bon, il en paraît, moi, tant temps. En disant qu'une répétition n'est pas obligatoire, elle n'est pas à l'école. Mais bon, c'est bien d'y être. C'est tout. Qu'est-ce qu'on peut dire du groupe? Ben, le groupe, il se porte bien. Hein. Il n'y a pas eu de. Tout le monde est bien à bord, moi. Quelques cheveux blancs qui sont parmi nous, c'est tout, hein. Quelques kilos en trop. Et alors, ça, quand tu t'arrêtes de fumer, tu prends des kilos. Bon. C'est brut, la cigarette, c'est brut. Moi, j'ai chanté une chanson dans les temps. En 47, vendevo les cigarettes. Et facevo le chouchou. Le temps, c'est fini. On ne vend plus rien. On ne vend plus rien. Voilà. Chouchan, napolitain, c'est voyou. On fait voyou, on n'est pas fait pour faire ça. Puis, mais on peut plus chanter, bon, on verra. Hein. Les arches. Je demande qui c'est. C'est pas pour moi. Ah, mais. Pour Mika. Bon, vous attaquez déjà. C'est pas prévu aujourd'hui, hein. Alors, c'est au bagne. Parfait. C'est un adawagne. Ah, d'accord, t'as mon ami, j'ai. Voilà, voilà. Je vais avec la gaffuse, un peu de scotch, un peu de... Mais c'est tu mesures 1m95, va bien. Tu mets tes chemises longues, tu es long, tu es lancé. Attends, mesure tout ce petit trapu, attends. Ils vont rapploter. Ils rapploter. Autrement, c'est pas bien. Ouais, voilà. Tu as raison. C'est très bien. Parfait. Hein? Parfait. Mais parti donc. C'est pas parce qu'il y a la caméra. Ah, il est là. Au premier cran, c'est parfait. Voilà. Faut trouver le double face. C'est là. Alors, qui c'est qui veut se charger d'aller prendre le double face? C'est là, oui. Pas moi. Bon, allez, j'y vais, allez, c'est bon. Ah, tu m'en as de Oedipo? Non. Faut dire des retours. Faut pas demander. Pas demander comme ils sont réglés maintenant, comme on va régler maintenant. Oui. Si tout le monde fait ça, ça va faire crescendo. Aspetta. Attends, écoute bien. Dans la soirée, si à un moment donné tu t'entends plus, tu te demandes de t'entendre un peu. Un minimum. Non, non, tu demandes, il faut rien demander. Mais non, parce qu'il va te monter à toi, mais en tant qu'à toi. Mais non, mais sur mon côté, moi, pas contre sur tout le monde. Ouais, mais ouais, tu t'as pas question sur truc, sur. Bon. D'accord. Si tout le monde a le demande, c'est normal. Mais si tu mets tous les retours à fond, c'est comme si tu mettais rien. Parce que toi, tu n'as pas fait la balance. Voilà, c'est pour ça, tu n'y étais pas. Et voilà. Nous, on y était tous. Voilà. Il faut descendre maintenant. On vous laisse un quart d'heure. Eh oui, enfin. Attends, c'est un bloc, vous le savez, ça. Enfin, tourne ici. Vous êtes les fatigués. On fait deux fois le théâtre, vous restez à la maison. Et comment? Je suis obligé de vous engueuler un peu, non? Et appelle Jean-Marc, appelle tout le monde qui descend de là. Hein. Allez. Où j'étais hier? Hier, je ne suis pas monté. Je suis pas monté, tu étais pas, je sais pas, hein, je suis resté chez ma mère. Faut sur le patch par là et tout. Ouais, faut tout décabler, tout recabler, s'il vous plaît, là, on est dans la merde. Sinon, on va essayer alors. Donc le filage va être dur.
Donc, il faut déjà essayer de tester les micros, voir comment ça va donner. Là maintenant. Bon, les micros là-bas, la micro là-bas, ça va être comme ça, c'est plus facile. Et après, il faut attaquer le fil là. Et la contrebasse, je ne sais pas si vous allez la mettre. Il n'y a pas de problème, moi j'ai tout le monde là. T'as tout le monde, t'as tout ton petit monde autour de toi. Un coup de câble. Vital, où il est ? Allez, mettez-vous en place, faites le son de vos instruments. Tu es prêt ? C'est parti. Oui, déjà ce qu'on vient de doute. Bon, ah, si vous n'avez pas. Si vous n'avez pas le grand, pour le moins, c'est. Les basses là-bas, les contre-champs de l'autre côté. Pour Félix, Thierry, les contre-champs au milieu. C'est là-bas, c'est là-bas. Thierry, où il est Thierry ? Moi je me mets là, là, je me mets là, à ta gauche. Où est Pete ? On vous y dit, on se. Contre-champ ici, on s'est voit plus. On rentre, on s'est dit, on rentre dans le cercle, hein, Jean-Paul. Ah, pour Félix, tu viens ici. Là. Je voulais dire, est-ce qu'on pousse plus vers là ? Non, on fait. D'abord, tout se passa. Ils se battirent tous pour la liberté. Mais ces guerriers. C'est quelque part, là, ça. Si tu rentres rien, moi, je rentre même pas les harmonies, c'est un tel long. Un tel long, un tel long. Qu'on fait, vous devez quand ça négocie, ou c'est peut-être qu'on force trop, là. Tu as resté. Ils n'ont pas les micros qu'il faut, c'est tout, hein. Parce que normalement, je m'excuserai, si tu as le bon matériel, tu entends. Il y avait le général, là. Combien il manque de minutes d'entrée, là ? Quatre. Il y en a un paquet. Quatre. Là, là, c'est au champ de micro, c'est magnifique. Ah oui, je sais, mais ça, ça c'est filtré, là. Hein. Crois-moi, on dirait du café filtre, là, Gilles. Ah oui, oui, non, mais... Ça passe rien. Non, non, mais on le sait bien, on l'entend. Moi, j'ai même honte de chanter de la guitare. Aucune pêche, aucune pêche. De toute façon, j'ai même plus de centre. Bon, il dit qu'il mette 15 micros, là, pour le... Et bon, c'est là. Si ça marche pas, il faut qu'on soit tous sur chacun son micro. Ah, et vous êtes combien ? J'ai pas compté. On est 14. 15, 13. 13. De toute façon, on est habitué. Ça fait trop de temps qu'on est dans cette situation. Les meufs. Et... Les retours, ils sont bons ? Non. Et non, c'est pour ça que je suis. Bon, mettez le retour. Eh oui. Ça va. Le problème, c'est la réverb. Il n'y a pas de réverb. C'est pour ça que c'est plus. Il n'y a pas de. Il y a un groupe de basse. Et après nous, il peut nous affiner individuellement notre voix. C'est ça. Voilà, c'est tout. Excusez-nous. Il y a un petit souci de réverb. Ah, regarde ça. Attention, un par un. Allez, vas-y. Pourquoi que si je chante seul, à la limite, je ne monte pas. Oh.
seule, je m'entends. C'est quand ils chantent deux que je m'entends. Ah, d'accord. Toute seule, oui. Oui, mais ça, c'est. Tu n'as pas le choix. Non, mais là, c'est bon. Allez. Là, je m'entends. Voilà. Ça y est, j'ai répété. On sera au point. Pourquoi vous chantez toujours les héros? Dans toutes les chansons que vous chantez, c'est la révolution, les héros. Enfin, c'est quand tu es jeune, c'est ce que tu as. La jeunesse, je... On est resté ado pour ça. On se tourne toujours vers les minorités, les révolutions, les démunis. C'est ce que nous sommes, en fait. Sauf dans la tête, parce que... Le moins de trucs que ça nous remonte le moral. Bon, on a fait sans instrument que pour la caisse clé. Allez. Alors, venez. En place. Les violons, eh oh. Fichez-vous un peu, eh oh. Écoutez-moi, vous êtes trop confiant au début, hein. Hey. Allez, trop confiant, c'est pas bon, allez. Hein. Trop confiant, on va t'avoir un peu. Si tu, il y a l'accélération. Il y a une accélération. Tu me suis. Accord, écoute-moi. Jean-Pierre, écoute. Jean-Pierre, ce que je te dis, ce que je fais. Bon, je fais. Bon, j'ai l'eau, il faut y aller. Et je ne me mets pas en tant que pantin. Non. Non, c'est ça. Non. Lorsque tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. Mais j'ai toute l'accélération. Non. Lorsque je fais d'employer ça. C'est sur le final, vraiment. C'est le final, et puis il y a des crescendos en accélération aussi. Oui, oui. On ne peut pas la refaire, ça. On peut pas la refaire. Voglio, na qui, 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 voglio,
Non è stata solo una.